Le gouverneur de la province de Logoé-Maritime a convié ce jour à une importante réunion dans la salle des mariages de la mairie du premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, l'ensemble des opérateurs économiques de la commune. À l'ordre du jour, les préparatifs à la célébration du 51e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Un événement que le premier responsable provincial attend qu'une forte mobilisation soit donnée en vue d'un éclat particulier au défilé qui sera organisé le 17 août prochain. C'est un défilé que je voudrais d'une part riche en couleurs à travers l'habillement des hommes et des femmes qui y prendront part et d'autre part un défilé qui devrait revêtir un cachet particulier en raison de ce qu'il marque le point de départ d'un nouveau cinquantenaire et de ce qu'il s'agit du premier défilé que nous aurons à organiser ensemble en Logoé-Maritime. Je sais que cet événement républicain s'organise au moment où certains d'entre vous bénéficient de leurs vacances annuelles et sont donc appelés à être absents de Port-Gentil à cette date. C'est pourquoi au cours de cette réunion, je voudrais vous inviter à m'indiquer ceux de vos collaborateurs qui devraient vous représenter à ces manifestations pour éviter les écueils du passé en matière de protocole. Ainsi, pour les opérateurs économiques présents dans la salle, chacune de leurs entreprises a été saisie par correspondance pour une véritable implication à la réussite de cette fête. Ce cachet particulier que je voudrais que nous donnions à cet événement nous a conduit, sans vouloir inventer la roue en la matière à Port-Gentil, à vous saisir par correspondance pour solliciter l'implication de chacune de vos entreprises à l'organisation de la 51e édition de notre fête nationale. En tout cas, un message bien perçu par l'ensemble des opérateurs économiques, dont certains n'ont pas manqué de souligner certains écueils du passé en matière d'organisation protocolaire, par le respect de l'ordre de passage du défilé, la distribution des cartes d'invitation, sans oublier l'emplacement à la tribune officielle. Le gouverneur de la province, Léonard Dediro Mutsinga Kebila, a promis tout mettre en œuvre avec son comité d'organisation afin que ce premier défilé qui marque le début d'un nouveau cinquantenaire soit une véritable réussite et une fierté pour notre province qui sera en compétition avec les 8 autres du pays.